un pudding surprenant. J'adore les jours où nous allons au cinéma, monsieur de la chaussette. Moi aussi, d'autant que nous nous régalons de délicieux pop-corn, Claude. Non, non. Bonjour, monsieur Joli Beignet. Claude, madame la mère vient au salon de thé aujourd'hui pour goûter ma nouvelle recette, le pudding de Paisibleville. Mais il ne sera jamais prêt à temps, sauf si une bonne âme peut m'aider à mélanger tous les ingrédients du gâteau. Je peux le faire, moi. C'est sensationnel, Claude. Mince, madame la mère est en avance. Bienvenue, madame la mère. Merci à vous, cher monsieur. Joli beignet. Oh ciel, madame la mère ne semble pas au meilleur de sa forme. Elle souffre d'une crise de hoquet extrêmement pénible. Bon, dans ce cas, faisons en sorte de réaliser le meilleur pudding de tous les temps à Paisibleville. Il sort tout juste du four. Wow. Merci infiniment, Claude. Ton pudding est parfait. J'espère sincèrement qu'il sera au goût de notre mère. Il nous reste juste assez de temps pour aller au cinéma, monsieur de la chaussette. N'oubliez surtout pas d'emporter les pop-corns. Oh. Oh. Eh bien, tout cela me semble vraiment très impressionnant. Oh. 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 Non, c'était pas possible. Arrêtez! J'ai mis sans le faire exprès du pop-corn dans le pudding. Je suis navrée. Tu es navrée? Oh là là. Tu n'as aucune raison d'être navrée, Claude, car ce pop-corn m'a tellement fait peur qu'il m'a débarrassée de mon vilain hoquet. Et par-dessus le marché, c'est de loin le meilleur pudding au pop-corn que j'ai mangé de toute ma longue vie. Wow.